Bonjour, comment vous allez bien aujourd'hui? Eh ben écoute, moi ça va plutôt bien, j'espère que tout le monde a passé une bonne semaine et je suis bien content de venir aujourd'hui tourner une petite vidéo chez toi parce que je vois que tu t'es encore fait plaisir. Ouais, en effet, j'ai craqué un peu parce que je travaille pas. J'ai craqué sur ce set qu'on pourrait croire issu d'un film des années 80, mais il y a une petite subtilité à propos de ça. Et ouais, c'est le piège. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais en 2020, l'année dernière, devait sortir un nouveau Ghostbuster qui s'appelait Ghostbuster Heritage, enfin qui s'appelle et qui s'appellera Ghostbuster Heritage et qui a été repoussé pour des petites raisons sanitaires que tout le monde connaît à novembre 2021. Et oui, et ce film mettra en scène des adolescents d'aujourd'hui, hein, dans notre monde, qui retrouvent le véhicule qui a dormi pendant plus de 20 ans. Bah ouais, même 30. Pendant plus de 30 ans même, ouais. J'imagine, à partir du deuxième film Ghostbusters, du coup, il a été abandonné. Et c'est pour ça que sur la boîte, qu'on va regarder en détail tout de suite, vous pouvez voir qu'on a un véhicule tout rouillé, tout abîmé. En effet, ceci explique cela. Et justement, tu fais une bonne transition, bah, puisque tu parles de la boîte. Regardons la boîte, moi, déjà, bah, c'est le genre de boîte que j'adore, canon. Ouais, canon, sur fond noir, vraiment la boîte 18+, créateur expert, avec le petit détail Lego rouge en dessous, quelques petits logos, voilà, franchement, elle est magnifique. Trop stylé, même le logo ici, là, il est vraiment mortel. Et ouais, la petite lueur verte derrière, elle est magnifique. Une belle boîte. Et quand on regarde derrière, bah, y a des petits éléments intéressants. On voit donc le véhicule d'origine, quoi, disons, le véhicule qui a vieilli. Dans le monde réel. On voit une petite scène de ce futur film et qui, du coup, il me semble, induit de nouvelles fonctionnalités, c'est ça? Ouais, tout à fait. Des fonctionnalités qui sont amenées par le nouveau film puisqu'ils ont refait le véhicule, des trucs qui n'existent pas sur le véhicule original. Ok. Qui fait donc que ce set-là n'est vraiment pas basé sur les vieux films mais sur le nouveau. Cela dit, ces petites fonctionnalités, plutôt que de les regarder sur la boîte, vu que le set est construit, on va les regarder direct sur le set, si ça te dit. Eh ben écoute, samedi. Même si on est dimanche. Complicité. Sortons tout de suite le set. Plutôt que de dire des conneries. Tintintin. Aïe aïe aïe, j'ai déjà cassé un Superman. Ah ouais, c'est pas ça. On est plutôt sur pam 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 pam. Pam pam pam. Ghostbusters. Et voilà, Ecto One, le set construit et plein de fonctionnalités, donc je disais, donc commençons par là si tu veux. Carrément, bah déjà, attends, j'ai juste envie de donner mon avis général dans un premier temps, parce que j'aime bien donner mon avis général dans un premier temps. Et bah dans un premier temps, mon avis général est que le set est plutôt stylé. Ouais, il est carrément stylé, elle est fat. En vrai, elle est vraiment fat. À la base, je voulais l'exposer avec mes autres voitures Creator Expert, mais il se trouve que l'étagère est trop petite pour celle-ci, parce qu'elle est vraiment plus grosse. Ouais. Ce qui est réaliste, hein, puisque c'est un corbillard en plus, c'est une Cadillac de 59, enfin, c'est un truc énorme, même à côté d'une Mustang. C'est ça. Donc voilà, c'est réaliste, mais du coup, elle va poser un problème d'exposition, éventuellement, comme beaucoup de Lego, une fois qu'on passe une certaine taille. Bah là, juste pour vous donner une ordre d'idée, elle fait 47 cm de long sur 22 cm de haut avec la petite antenne prise en compte. La petite épée, ouais, le petit fleuret, très belle utilisation des pièces également d'ailleurs. Trop stylé. Tiens, puisqu'on est sur le toit et qu'on voulait parler des fonctions, déjà le premier truc c'est que quand on la fait rouler, on voit qu'il y a deux trucs qui tournent, il y a un petit capteur là-haut. Après, hein, les trucs n'ont pas vraiment de fonction, même dans le film, ils sont là pour faire genre, il y a plein de trucs qui se passent. Oh, stylé. Ouais, le petit décalage, la façon dont c'est construit est au final assez simple. Mais voilà quoi, c'est une petite fonctionnalité. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a celui-là qui tourne en continu et celui-là qui fait tiou, tiou, tiou. Ouais, voilà, c'est un petit engrenage relié à une petite barre technique. Enfin voilà, c'est assez intéressant en dessous. Ok. Ensuite, bah, on voit qu'on peut, si on soulève le capot qui est assez grand et très facile à soulever, on a accès à toute la partie moteur, hein, donc voilà, qui est très belle, très bien construite. Hein, ça c'est un petit truc, on a vraiment les portes qui s'ouvrent. Si tu veux bien le poser, on va pouvoir voir que les deux portes avant s'ouvrent, hein, également. Et puis à l'arrière, il y a également une autre porte qui s'ouvre, mais là je vais le mettre comme ça. Vous voyez que là par exemple, ça s'ouvre dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas sur l'original. Hein. Ça s'ouvre dans ce sens-là. Et pour quelle raison d'après toi? Eh ben, c'est un peu bizarre, je crois que je l'ai un peu vu sur la boîte. Ouais, mais justement, alors je vais le remettre comme ça, droit, pour que vous voyez. Hop, là il y a un petit. Alors une partie ici qui est vraiment qui se voit pas du tout jusqu'à ce que la porte soit ouverte. D'accord. Sur laquelle je vais pouvoir appuyer, hop, faire sortir un petit siège.
sur lequel le personnage va être placé pour tirer sur les fantômes. Stylé, stylé, ok. Donc et c'est... là, si tu appuies, voilà, hop, il va se ranger tout seul dans le bon sens. Il y a un petit mécanisme, il retourne et tout, c'est assez cool. Sympa. Je recommande d'ouvrir la porte avant, par contre, parce que ça a tendance à se coincer si la porte, est... si on essaie de le faire, la porte fermée, quoi. Ah ouais, tu okay, vois, avec ouais. le mécanisme de la porte avant, ça bloque un peu. Ouais, c'est pas fait mais pour voilà. forcer, quoi. Et un dernier petit mécanisme, si tu veux bien. Ok, bah je veux, hein, moi je veux. Derrière, on vous montrera sur un plan, il y a un petit stud là, un peu caché, comme ça. Et quand je vais tirer dessus, ça va débloquer, et si on voit à l'intérieur, c'est relié à un siège en plus. Ok. À l'intérieur, du côté de cette porte-là qui ne s'ouvre pas, hein, d'ailleurs, qui est fixe. Et quand je tire tout ça, hop là, ah, ça n'a pas marché du tout, je vais réessayer. Ah merde. Comme d'hab, il y a toujours un truc qui bah, c'est fou ça, ça ah, marche. C'est fou, bah dites nous. Ça a marché à chaque fois. Ça marchait si bien pendant les répétitions. Ça a marché à chaque fois, attends, je sais. Je vais vous montrer comme ça. Pardon, reprenons. Et le véhicule comme ça, j'attrape ce petit stud en question, et si je tire... J'ai dû... Mec, c'est un truc de ouf. Ça marche trop bien normalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Mec. Pourquoi ça s'ouvre pas? Il y a un truc qui coince. Excusez-moi. C'est bon, j'ai compris. Je crois qu'il y avait un truc qui coince. Voilà, c'est bon. Et donc, si j'attrape le petit stud qui trouve ici, qui se trouve ici et que je tire dessus, hop, yes, et on a ce okay. petit truc. Tu te souviens dans Ghostbusters, dans les premiers, ils ont un petit ouais. truc à main, et donc là voilà, on a le même genre mais monté sur roue carrément, et qui ouais. sort automatiquement. Okay. J'imagine que si on a le gars à l'extérieur qui tire pendant qu'il s'avance, le fantôme neutralisé est attrapé par ce petit truc derrière. Trop stylé, ouais. Ouais, pour l'emprisonner. Voilà. Ouais, pour le choper. Et ça se range hyper bien. Tac, là, j'ouvre la porte. La porte qui est un petit détail un peu cool aussi parce qu'elle est construite de manière assez cool, bref. Ouais. Hop, et qu'on va venir ranger ici et ça marche vraiment bien quand on a bien construit le truc ou qu'il n'y a pas une pièce qui coince. Ça marche super bien quoi comme fonction, c'est hyper... Trop ça marche stylé, ouais, j'avoue, c'est pas mal, c'est pas mal. Même le petit bruit de roulement qui va avec. Ouais, grave, c'est, franchement c'est hyper chouette. On a en plus l'avantage d'avoir une direction qui va pouvoir se contrôler d'ici. Ah, le okay. volant tourne, mais par contre le toit ne s'enlève pas, donc on va pouvoir contrôler la direction d'ici, ce qui est vraiment chouette. Ouais, on j'avoue, c'est pas mal pour piloter. Tu veux que je te montre ma manière de faire des créneaux? Vas-y, hop. Si vous... En vrai, je m'amuse souvent à faire des créneaux sur la table, si quand vous... c'est comme ça. Voilà. Après, ouais. là, t'as de la chance, il n'y a personne en ville, mais parce que je pense que ça, c'est pas facile à garer. j'avoue. C'est l'horreur à mon avis même. Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les petites fonctionnalités mon ami? Je pense qu'on a fait le tour de toutes ces petites fonctionnalités. Mais il y a une petite chose avec tout ça. Bah du coup ouais, parce que quand il y a pas mal de fonctionnalités dans les sets, en général je suis en train de tout péter. En général. À chaque fois on commence bien puis on casse tout. T'inquiète, je vais réparer. Donc je disais, ouais, en général, quand il y a pas mal de fonctionnalités dans les gros véhicules comme ça, ça indique une petite expérience de construction plutôt sympathique, quoi. Ouais, l'expérience de construction est vraiment cool, notamment grâce aux fonctionnalités, mais j'y reviendrai parce que je voudrais commencer par un petit truc qui se trouve dans la boîte, à vrai dire. Qu'est-ce, de quoi tu veux parler? Ah, d'accord. D'un petit carton. Bah, de toute manière, l'expérience de construction commence toujours par là. La notice. Donc ce petit carton dans lequel on va trouver la notice que je vais vous sortir tout de suite, hein, elle est cachée derrière, et la planche de sticker. Donc je vais commencer par là parce que vous avez vu sur la boîte il y avait les taches de rouille et là sur le modèle elles y sont pas. Mm-hmm. Parce que ces taches de rouille ce sont des stickers qui nous donnent donc la possibilité de laisser la rouille plus loin sur sa planche en plastique et de garder un joli véhicule tout ouais. blanc qui rappellera du coup l'original même si l'échelle est du mauvais côté et des petits trucs comme ouais, ça. Ouais, je comprends, je pense que pareil, j'aurais sans doute pas mis la rouille non plus parce que bon, l'effet rouille est pas foufou de ce que je vois sur les photos. Et puis moi, si je suis team, ça m'embête un peu de condamner mes pièces avec des stickers parce que j'aime bien garder mes pièces... À part stickers qui, bien sûr, là, pour le coup, ont un réel, réel intérêt au set. Je pense, par exemple, aux petits stickers Cadillac devant. Ouais, qui, tout à fait. Même les petits dangers et tout, ceux-là, ouais, je voilà. les ai mis parce qu'ils sont intéressants, ils ont un intérêt. Ceux-là, voilà, j'avais pas envie du véhicule rouillé. Et je trouve que le côté très blanc, immaculé, avec les taches de rouille, du coup, ça rend pas très bien le vieillissement. Et voilà, je le préférais en cette version, en tout cas. En tout cas... Film, alors.
Content que les pièces là soient des pièces sérigraphiées pour le coup. Ouais, contre. Carrément, carrément. Et je ne peux m'empêcher de penser que je suis aussi content d'avoir l'ancien parce que je me dis que j'ai les deux types de pièces imprimées Ghostbusters. Et en plus, j'ai les minifiques qu'il n'y a pas là-dedans. Un petit truc à noter, il n'y a pas de minifiques. Ok, donc, puisque je l'ai sorti, revenons à ça, la notice d'instruction, la voici donc. Et elle est hyper cool, en mode mécanisme des années 80, c'est dessin mécanique comme ça. Je l'avais pas vu, hein, je la découvre totalement. La petite découpe et tout. Elle est, ouais, grave, on dirait vraiment les notices de set Lego à l'ancienne. Ouais, c'est stylé. Carrément, et c'est hyper cool. C'est carrément. Hyper rétro et tout, c'est bien dans le thème. Voilà, franchement, c'est un joli manuel, assez gros, hein, on en a pour un bon temps de construction. 2352 pièces, ça fait un long set à construire. Et qui est hyper balèze à la fin, il pèse son poids et tout. La boîte est énorme, elle rentre pas là où je range mes boîtes d'habitude. Donc elle est rangée avec le Falcon, évidemment, dont la boîte ne rentre pas non plus. En tout cas, quand on ouvre la notice, bah, on découvre des petites photos sympathiques. Ouais, on voit justement film. La voiture, le film un petit peu. Certaines scènes de l'ancien film aussi. On voit un petit peu l'évolution, 84, 89, 2020. Stylé. Et un petit peu bah, les croquis ouais, de la voiture originale, quoi. Ouais. La voiture originale. Pas mal, pas mal. Et du coup, alors, c'est un... Donc, tu voulais nous parler de l'expérience de construction. Donc, de ce que je vois, c'est une construction en 12 sachets. Ouais, ça. On a 12 groupes de sachets. En vrai, il y a 24 sachets. Ok. Il y a 2 sachets de sac ou presque et un sachet en plus, bref. D'accord. Donc, on a... c'est beaucoup de pièces. En vrai, franchement, ça met un bon temps et tout. C'est vraiment intéressant, justement, grâce aux fonctionnalités, parce que ça donne une asymétrie. Je retrouve le plaisir que j'ai pris pour l'Aston Martin. Ouais. Ça donne une asymétrie dans la construction. Ça fait qu'à part peut-être les deux portes avant et ouais, à l'avant, où c'est un peu symétrique. On va vite se retrouver à construire des trucs différents d'un côté à l'autre. Ouais, ça c'est également. Appréciable ça. Et du coup c'est vraiment cool parce qu'on n'a pas du tout l'impression de se répéter. La porte arrière encore une fois, on construit les deux supports complètement différents. D'un côté il y a un mécanisme et d'un côté il y a un support de porte, tu vois. Ouais. Donc là c'est pas du tout la même chose à construire des deux côtés. Enfin, voilà, tout est hyper intéressant, la construction est... Comment dire, à aucun moment je m'ennuie, à aucun moment je me dis, ouais. J'ai l'impression que ça fait 4 fois que je fais le même truc, pas du tout. Okay. Vraiment, c'est hyper okay. Cool. Le moteur, on prend plaisir à le construire et il est bien fini, il se construit très vite et il rend très bien à la fin. On a les petits élastiques qui relient, qui vont prendre la place de nos courroies et tout. Ouais. Enfin, voilà, c'est hyper bien fini. On a les petits détails à l'avant avec les comment ça s'appelle, ah, les patins à roulettes. Ah ouais, c'est les patins un petit peu comme sur la Batmobile. Ouais. Où on a tout le côté comme ça en patin. Bah là, et là ils ont fait tout le grill comme ça. Ouais. Magnifique, magnifique. Ouais, du coup bon, la conclusion un petit peu de tout ça, c'est que si quelqu'un est attiré par le set et qu'il hésite un petit peu parce que bah, d'une part c'est quand même une certaine monnaie. Ouais, et c'est un véhicule, donc parfois quand on investit dans des véhicules, on peut avoir cette frayeur de se dire, ouais, est-ce que comme c'est symétrique, est-ce que je vais pas m'ennuyer dans la construction? Là, tu rassures tout le monde, tu t'es vraiment pas ennuyé, t'as pris ouais, un plaisir et un certain vraiment. Temps. T'as appris certaines petites techniques de construction peut-être aussi? Ouais, franchement, il y a des techniques de construction assez originales. Et je vous dis notamment ça, là, le petit décalage qu'on fait. Ouais. Parce que c'est vraiment un tout petit décalage pour donner cet angle. Et elle s'ouvre vraiment en angle et tout, et elle rentre super bien. Ça se cale parfaitement avec le toit. Et voilà, c'est hyper bien joué. Et des petits trucs comme ça, ouais, en effet. Stylé. En plus, pour rajouter à ce que tu dis, le truc des véhicules, quand on construit notamment ouais. Les véhicules Creator Expert, c'est qu'on part souvent d'une même base. C'est on clair. Part d'un châssis, pardon, et on vient construire dessus. Donc c'est vrai que très vite, c'est répétitif. Mmh. Et là, c'est vraiment pas le cas. On a un côté similaire, mais il y a plein de fonctions, plein de trucs. Construire le toit, ça n'a rien à voir avec construire un autre véhicule, quoi. Ouais, ce qui était déjà le clair. Cas sur le petit modèle. C'est clair. Eh ben, je suis bien content que tu l'aies acheté parce que ça me permet de l'avoir en vrai. C'est un set, bah, pareil, hein, franchement, je le trouve plutôt cool. Je pense pas craquer dessus bah, parce que voilà, pour cet ordre de prix, j'ai d'autres priorités aussi. Surtout d'autant plus que maintenant, tu l'as et qu'il fait partie de la collection des vidéos de la chaîne des Cuses ouais, de l'Heureux. Donc ça me fait déjà très très plaisir. Carrément. Est-ce que tu as d'autres trucs à rajouter dessus? Non, pas tellement. Juste, bah voilà, je vous parle pas trop du fait qu'il n'y ait pas de minifig parce que vous le savez, moi parce j'ai que le set pas, quoi. et j'ai l'intention d'exposer les deux. Ça peut poser débat, mais en même temps, on aurait eu les minifigs du nouveau film qu'on n'aurait pas connu de toute façon. Et ouais. Sur ce type de set, sur ces gros véhicules Creator Expert, bah, Lego ne met pas de minifig simplement. Carrément, je vais me faire un key, j'ai envie de mettre les deux à côté pour voir. Et... On n'est pas du tout sur la même échelle. On n'est pas du tout sur la même échelle, mais ça permet un petit peu voilà, de vous rendre compte. Et puis je trouve que
C'est stylé comme petit plan. Donc voilà, je trouve que c'est un bon petit plan pour conclure cette vidéo. Moi, j'ai rien de spécial à dire de plus. Toi ? Non, moi, je pense que c'est bon. On en a bien parlé. On a dit tout ce qu'il y avait à dire. C'est un très beau set. Plein de fonctions cool qui donnent une construction intéressante et longue. Ça coûte un peu cher, mais franchement, avec la taille qu'il fait, je comprends pourquoi. Ouais, carrément, donc, il fait exactement 2352 pièces. Ouais, c'est quand même assez conséquent. C'est quand même assez conséquent. Eh bien, écoutez, moi, j'ai juste envie de conclure en disant qu'à l'heure où on tourne, aujourd'hui, on est très, très proche des 500 abonnés. Donc, peut-être que quand la vidéo, elle va sortir, peut-être qu'on aura les 500 abonnés. Et franchement, pour nous, ça fait super plaisir parce que 500, c'est quand même beaucoup, 500. C'est un joli chiffre. 500, c'est pas mal. 500, c'est la moitié de 1000. Et 1000, c'est beaucoup. Et puis, voilà. En tout cas, on est très, très contents. On vous remercie à tous, encore une fois. Donc, si vous n'êtes pas abonné, ben, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton. Ça nous fait trop, trop plaisir. Et puis sur ce, on vous dit sûrement à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, salut! Bon, nickel. Pif, hop. Pif, pas la pif. One shot.